Le roi Mohammed VI, émir al-Mouminin, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Hassan à Rabat. L'imam a consacré son prêche en mettant l'accent sur la place centrale de l'eau comme l'un des biens précieux que Dieu a accordé à ses créatures qui se doivent de la préserver et d'en lui rendre grâce en permanence du fait que l'eau est la source de toute chose vivante. Rappelant dans ce cadre l'intérêt particulier que les regrettés souverains feu le roi Mohammed V et feu Hassan II ont accordé à la construction des barrages et l'ensemble des mesures et dispositions ayant accompagné cette politique dans le domaine agricole. L'imam a souligné que le roi Mohammed VI, émir al-Mouminin, a poursuivi cette sage politique en ordonnant la promulgation d'une nouvelle loi sur l'eau en 2016 portant réorganisation du secteur en vue de permettre au Maroc d'assurer ses ressources hydrauliques au profit des générations présentes et futures. Outre la poursuite de la construction des barrages, le roi n'a cessé d'entourer de sa haute sollicitude la création des petits et moyens barrages pour permettre aux habitants de chaque commune et village de bénéficier des précipitations de pluie, a-t-il ajouté.